Bon, aujourd'hui on est dans un épisode spécial de la house. On est dans la house, c'est Senki-san et on va essayer d'enregistrer un son en je sais pas combien de temps, mais on va essayer de faire vite. Là je vais essayer d'enregistrer une première prise. Bon, je pense pas que je vais réussir du premier coup, mais on va essayer, mais bon, on sait jamais. Let's go. Tout le monde veut être du côté des gagnants, demande à Kevin Durant. Parfois je regrette quand j'étais enfant. Parce que... Ah merde. Ah bon, on va cut. Décalé, gros. C'est trop chiant, ça. Oh, ça me mais c'est pour ça que moi j'aime pas avoir mon retour. Je crois que je vais couper. T'as raison, gros. Ça me décale en fait, moi. Ouais, ça me vénère. Je vais essayer sans. Je suis bugué. Putain. Genre, je m'entends en décalé, du coup, je suis en mode wesh. Sinon, je vais peut-être. Je vais t'en mixer. Oh. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Du coup, on repoule up, on recommence, on essaye une deuxième prise. Tout le monde veut être du côté des gagnants, demande à Kevin Durant. Parfois, je regrette quand j'étais enfant parce que j'avais pas tout le temps besoin de consommer des stupéfiants pour réussir à rester constant. C'est une scène nouvelle vague, Maroc c'est comme le Tourac. Fuck leur rap, c'est des grosses blagues, chaque match je joue. Comme ma sixième bague, la vie c'est qu'une question de point de vue. Tu guettes sa face, moi je guette son cœur. Tu vois, je t'ai carré. C'est le zoom. En plus, ça m'a l'air bon. Je vais nettoyer un peu et après, je vais placer ça. Est-ce qu'on aurait réussi dès la deuxième prise pour une fois? Waouh, un miracle. Enfant, parce que j'avais pas tout le temps besoin de consommer des stupéfiants pour réussir à rester constant. Senki-san, nouvelle vague, Marseille comme le Tourac. Fuck le rap, c'est des grosses blagues. Chaque match, je joue comme ma putain de sixième bague. Là, je viens d'écouter la piste. Il y a certaines bonnes parties, mais à certains moments, je pars en couille, je rappe beaucoup trop vite. Du coup, on va devoir recommencer depuis le départ. Parce que moi, je suis un négro comme ça. Moi, je fais pas des 5 pistes très haut. Je recommence tout depuis le départ. Et du coup, bah, on va repartir dès le début. En espérant que je sois plus concentré. Mais du coup, bienvenue à Potter qui est juste à ma droite là, qui vient de me donner une putain de technique pour rapper mieux, gros. Ne pas m'écouter. C'est génial. Là, on a perdu l'antipop qui s'est barré en couille. Du coup, je vais essayer de le replacer correctement pour pouvoir rapper tranquillement sans le tenir. Ce serait bien, tu vois. Donc voilà, studio du Hood, partie 3 maintenant, je crois. Du coup, voilà, on va essayer de faire tenir ça avec du scotch. Wesh, on a je fais partie de la commande. Ouais. Oh my god. Monsieur Iverson. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas vous taper. Non, je crois que le problème, c'est le problème. On a gagné 50 à 0. Ouais, c'est la pause, on revient. Ça va cut un peu, putain. La santé, conseil de Christy. Oulala. On va dire bismillah et on revient. Bon, là, on a fini le graille. Donc... on peut reprendre la mission principale qui était d'enregistrer un son à la house. Tu guettes sa face, moi je guette son cas vu. On nage la fou droit, je me barre sans lui dire salut. Appelle Yas pour un beat si tu veux baiser la concu. Si t'essaies de nous la mettre, c'est toi qui risque de te la prendre dans ton cul. Au stade où j'en suis, je maîtrise la magie mieux qu'Houdini. À peine arrivé, je suis déjà reparti, je m'en fume, je la fume et je me remplis la panse. Écoutons tout ça. Bag, la vie c'est qu'une question de point de vue. Tu guettes sa face, moi je guette son cas vu. On nage à fou droit, je me barre sans lui dire salut. Appelle Yas pour un beat, si tu veux baiser la concu. Si t'essaies de nous la mettre, c'est toi qui risque de te la prendre dans ton cul. Au stade où j'en suis, je maîtrise la magie mieux qu'Houdini. À peine arrivé, je suis déjà reparti, je m'en fume, je la fume. Ça me paraît bon, donc on va pouvoir passer sur les bacs. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Bon, on va d'abord ouvrir une nouvelle piste. Maintenant que j'ai utilisé celle-là, moi je suis un peu bizarre, j'aime bien changer de piste. Du coup, je vais utiliser celle-ci, la piste 2. On met le micro entrée 1. Là, ça nous enregistre, on est sûr. Ok, on met Edison. Je connais pour enregistrer. Ensuite, on va rajouter ici Fruity Paramétrique EQ2. Tu vois, c'est un equalizer, tu vois. Et du coup, ensuite, tu mets un des presets. Moi, je mets le téléphone. Moi, le téléphone. Et voilà, ensuite, ça va sonner comme des bacs. Et voilà, c'est la magie de FL Studio. Ensuite, on va faire quoi? Je vais aller sur Edison, on va vérifier que je m'entends bien avec l'effet. Test micro, parfait! Maintenant, on peut backer tranquille. Comme un putain de sixième bague! C'est comme le Dourag!
dans tous les domaines XXL, je suis beaucoup plus bon. New Wave, Senti-san, l'inégal ou l'inégal. Bon, ça me paraît bon. Là, on va écouter les bacs. Et puis, après, on va peut-être, je dis bien peut-être, éventuellement rajouter d'autres effets, etc. Et on verra ça plus tard. Du coup, il y a eu un cut. J'ai pu faire quelques trucs. J'ai arrangé un peu le track. J'ai fait un peu de mix. J'ai déplacé quelques trucs. J'ai coupé des bails. Du coup, ici, j'ai enlevé des bails. J'ai replacé ça là alors que c'était la fin. J'ai rajouté aussi un effet sur cette piste pour que ça fasse le même truc que je vous ai montré précédemment à l'autre téléphone. Et du coup, j'écoute un peu là. Et j'hésite à déplacer encore des trucs là. Hein, je me dis. J'hésite à rebacker. Hein. Je pense que je vais rebacker parce que là j'ai pas backé les bons bails. Et du coup voilà, on va pas recommencer. Et normalement ça devrait être bon après. Snitch! Rien à voir! L'inégalé. Bon, là cette fois on dirait que c'est la bonne. Du coup, espérons que tout se passe bien. Je vais vite fait régler ça là, hop. C'est un petit coup de bois si tu connais rien. Bon, je vais rajouter quelques effets immédiatement afin de donner un peu plus de goût au son, tu vois. C'est comme un grec, tu vois, un grec c'est bon, mais si t'as un grec avec de la sauce c'est meilleur, non? Là c'est la même chose, tu vois. Un son c'est bien, mais un son avec un mix c'est mieux, tu vois. Bon, déjà, on va rajouter. Ça va filtrer, ça va mettre un filtre pour les voix sur toutes les pistes de voix. Du coup sur le 1, je crois que j'ai déjà. Ouais, là il y a déjà. Là ouais. Hop. Là ici, c'est juste le filtre téléphone, je crois. Ouais, c'était sûr. Hop. On rajoute un paramètre qui tu connais. Toujours la solution à tes problèmes. Bon, là j'ai terminé de mixer les voix, j'ai tout replacé, j'ai coupé les parties indésirables. Et voilà, j'ai écouté à plusieurs reprises, cela me paraît bon. Et je sais pas comment faire, je sais pas si je fais écouter les sons sur l'enceinte ou un truc comme ça. Du coup, ouais, il faut que je l'exporte d'abord. On va faire un cut, tu vois, la magie du montage. Et soit Neyab qui va charbonner. Avant d'exporter le fichier, j'ai pensé à un truc qui est cool avec le studio. Avec le bouton magique F11, ce qui ne marche pas avec cet ordinateur, tu connais, mais bon, tu peux aussi aller dans Options et dans Project Info. Et comme par magie, tu peux savoir combien de temps ça t'a pris. Et là, officiellement, le temps qu'on a passé sur ce fichier-là est exactement 1h15. C'était la petite minute Tips FL Studio. On se retrouve après. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais je télécharge le fichier sur Google Drive, tu connais les fichiers sur les clés USB de Zoom, c'est ça les gars. Ouais, fichier. T'as fou moi, je me barre sans lui dire salut. Ma bagasse prend un beat, si tu veux baiser la compte. Si t'es c'est bon de la mèche, c'est toi qui as essayé de la prendre dans ton cul. Au stade où j'en suis, je maîtrise la magie, mieux qu'on dit. À peine arrivé, je suis car parti, je m'enfuis, j'affume, je remplis la panse. Avec mes gardes trop en avance, c'est pas leur signe astrologie. Mes ténébreux sont des balances. J'ai fait 5, j'ai 2 chiens, rien à voir avec la chance. J'ai plein de diplômes, certains pensent que je suis con. Alors que dans tous les jours, les XXL, c'est beau. Ok, c'était Senti-san, on était dans la house, SOA Neyab. Et voilà, aujourd'hui on a fait un son en 1h15. Et Inch'Allah, on se revoit bientôt. Et voilà quoi, allez streamer Premier Contact, allez follow Prince Senti et Prince Senti New Wave, Neyab New Wave, allez follow Yassine qui est là aussi, Big Producer, le futur Dr. Dre du 7-7, vous êtes même pas prêt dans 5 ans, vous ouvrez. Ensuite il y a aussi Goldie, juste à côté, tu connais, graphiste de la house officielle, Quentin, le Allen Iverson blanc, ouais c'est vrai, c'est lui, il est avec nous, on a le P, la prise. La prise, il a laissé le plug, est-ce que tu peux me checker s'il te plaît? Merci, je plug, tu connais? Et puis il y a William, vous le verrez une autre fois, Inch'Allah, et puis voilà, on se revoit bientôt, c'était le studio de Wood, et voilà. Demande à Kevin Durant, parfois je regrette quand j'étais enfant, parce que j'avais pas tout le temps besoin de consommer des stupéfiants pour réussir à rester constant. Senti-san, nouvelle vague, Marseille comme le Tourac, fuck leur rap, c'est des grosses blagues, chaque match je joue. Comme ma putain de sixième bague, Senti-san nouvelle vague, Maroc c'est comme le Tourac, fuck leur